Je pense que c'est une question très, très importante. Pourquoi on a réussi à mobiliser toute cette masse d'ingénieurs et maintenant on n'arrive pas? Anaya, je vais vous parler, je dirais pratiquement mon avenir est derrière moi. Il m'est de mon devoir, je pense, ça reste personnel, que la raison n'est pas feu à l'extérieur, mais à l'intérieur de la communauté des ingénieurs. Si maintenant on n'arrive pas à mobiliser, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire aboutir des dossiers qui sont là, qui sont très importants, qui ont fait l'objet des études magnifiques, c'est parce que au sein des structures des ingénieurs, il y a des inhibiteurs. Qu'est-ce que j'entends par inhibiteurs? C'est des gens, malheureusement, par leur intervention, ils bloquent la machine. Que ça soit au sein du syndicat, le SNIM, comme au sein d'Al-Muhit l'Hindassi, la relation avec l'UNI. Et malheureusement, cette façon de faire a fait perdre aux ingénieurs des opportunités d'excellence pour pouvoir avancer, pour pouvoir réhabiliter le statut de l'ingénieur, pour pouvoir développer l'ingénierie au Maroc. Voilà le problème où est-ce qu'il est. Parce que, il n'y avait aucune force d'opposition, aucun obstacle dans la communauté des ingénieurs, avec le collectif. Tout le collectif que nous avons réuni travaillait dans l'intérêt et pour l'ingénieur. Mais qu'il y a hassasiyat siyasiya ou la diniya ou la naqabiyya. Le seul intérêt qui motivait Fadik les ingénieurs, c'était l'intérêt de l'ingénieur et l'intérêt de l'ingénierie. Et finalement, on a pu effectivement réaliser des choses extraordinaires. Mais malheureusement, à partir du moment où l'UNIM il a été réactivé justement suite à cette grande rencontre et que le syndicat il a été mis sur les rails, qu'il y a une hassasiyat derrière le hayakil, malheureusement, stérile. Et tant qu'on n'a pas compris que si on veut vraiment avancer et aller de l'avant, il faut que qui ne sont là que pour défendre l'ingénieur et l'ingénierie et non pas autre chose, on ne peut pas avancer. C'est clair. Je suis désolé d'être un peu peut-être brutal et d'être. Le problème, ce n'est pas extérieur. Le problème de notre stérilité, c'est un problème qui provient de l'intérieur de nos structures. La dichotomie entre l'UNIM et le SNIM, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a deux ou trois personnes de l'UNIM qui bloquent vraiment le développement et de répondre à toutes les questions que Sibri vient de poser. Si on avait mis la main dans la main, l'association de l'UNIM, nous font partie de cette association, le SNIM, et on a mis la main dans la main, je vous assure qu'on serait maintenant au top, qu'on aurait eu déjà notre ordre des ingénieurs, que le statut de l'ingénieur serait complètement modifié, que l'ingénieur mais malheureusement, nos forces, au lieu de s'unir, au lieu de tirer dans la même direction, ils s'opposent et finalement, on fait du surplace. On ne bouge pas, ni nous, ni l'UNIM. Tel UNIM, qu'est-ce qu'elle fait? Le SNIM. Et c'est ça le drame. Donc le problème, je dirais même plus, ce n'est pas un problème ni de l'Hukuma, ni de Kada, c'est un problème d'Al-Hayak, d'Al-Na, ils font tout pour maintenir la stérilité et maintenir ces structures sur place et ils ne bougent pas. Voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire. Si on a réussi au départ, c'est parce que tout, le collectif, il y avait toutes les associations d'ingénieurs, il y avait tous les anciens responsables de l'UNIM, il était présent ce collectif,
mais on travaillait tous, sans exception, dans la même direction, dans l'intérêt de l'ingénieur et dans l'intérêt de l'ingénierie, et ça a donné ses fruits. Mais malheureusement, depuis la création du NIM, depuis certaines tendances qui sont rentrées dans Flehayakil, ils sont devenus des inhibiteurs et on a inhibé les actions positives des structures via l'ingénieur, que ce soit l'UNIM comme le SNIM. Et je termine, je dis bien, parce que moi j'étais avec l'Ouart en 2009, 2000, je me suis réuni avec Sissi Dillahi Rahmou, avec, si on a mis la main dans la main, UNIM et SNIM, je vous assure qu'on aurait fait des choses extraordinaires. Ou que l'Ouart est خلص الله, parce qu'il y a des gens qui sont dans des structures et ils usent de leur pouvoir au sein de structures pour bloquer. Là, et finalement, on n'avance pas. Voilà, j'ai donné ce que j'avais sur le cœur et j'espère qu'on a compris et qu'on trouvera des solutions pour sortir de cette impasse. On a perdu déjà 13 ans. 13 ans sont perdus. Voilà, c'est...